Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 19 février 2019 en Vierge à 16h54. Alors cette pleine lune, c'est liberté, liberté et encore liberté. La pleine lune de ce mardi 19 février 2019 est dans le premier degré de la Vierge. C'est une pleine lune excitante, aventureuse et sexy. Elle offre des opportunités de changement, de romance et de succès. C'est un moment magnifique car cela fait suite de la nouvelle lune du 4 février 2019. C'est tellement une chose rare d'avoir des phases de lune consécutives avec autant de potentiel. La pleine lune de ce mardi 19 février à 00°42 dans le signe de la Vierge est associée à la puissante étoile fixe Régulus. Au cœur du lion, c'est constellation du lion, c'est donc une pleine lune forte, sexy et audacieuse. C'est l'aspect généreux du trigone 120 degrés à une conjonction de Mars-Uranus. Cet alignement excitant et révolutionnaire complète la nature audacieuse de Régulus. L'étoile fixe Régulus du signe à 00 degré du signe de la Vierge donne courage, indépendance, ambition, réussite, puissance et renommée. C'est la star de la royauté, des généraux, des présidents, des symboles sexuels, des athlètes et des astrologues. Régulus rend les gens compétitifs, agressifs, généreux et ouverts. Cependant, le succès, la confiance en soi, débridée, et la franchise de Régulus engendrent l'envie, la haine, et de puissants ennemis. Il n'y a pas si longtemps, pour devenir roi, eh bien, il fallait tuer le roi. Sachez que Donald Trump a l'ascendant et Mars conjoint Régulus. Et il sera sur le devant de la scène et particulièrement combatif pendant cette phase de lune mouvementée de 2 semaines. Selon Robson, Régulus en conjonction lunaire donne des intérêts occultes, des amis puissants, une valeur ajoutée aux spéculations et à la notoriété publique, avec une grande puissance, un grand honneur et une grande richesse. Mais ces avantages sont rarement durables et il existe un danger d'ennemis et de faux amis, de violence, de troubles et de maladies. Régulus, avec la lune, rend également les femmes pleines d'esprit et indépendantes. La constellation du lion est associée aux événements royaux, notamment l'ascension ou la mort des rois et des reines, l'élection ou la mort des chefs d'État, les assassinats, les soulèvements, les massacres, la monnaie, la bourse, le Vatican, l'Union européenne. La précession des équinoxes explique pourquoi la pleine lune de ce mois de février 2019 est dans le signe de la Vierge, mais dans la constellation du Lion.
les planètes et les étoiles fixes influencent votre vie et pas simplement par ce qu'on divise, les 12 divisions imaginaires sur un morceau de papier. Lorsqu'on fait le graphique astrologique de la pleine lune de ce mois de février 2019, eh bien, cela montre Uranus commun à Mars connecté à la pleine lune par l'aspect harmonieux du trigone bleu. Un autre alignement planétaire important, c'est Mercure. Conjuré, Neptune est un sextile Vénus conjoint de Saturne. Mais la plus importante influence sur la pleine lune est la conjonction Mars-Uranus. La conjonction de Mars-Uranus donne le besoin urgent de se libérer des conditions limites. En soi, il s'agit d'une conjonction erratique, imprévisible et volatile. Cependant, les aspects harmonieux du Soleil et de la Lune réduisent le risque de comportements imprudents et d'événements perturbants. Cela signifie que vous pouvez prendre quelques risques. Laissez cette pleine Lune pimenter votre vie de changement, d'enthousiasme et pourquoi pas d'aventure. Vous pouvez faire confiance à votre instinct et suivre vos désirs passionnés. L'ouverture d'esprit et l'expérimentation peuvent libérer sexuellement, revigorer une relation passionnante ou créer un nouveau roman passionné. Une diminution de l'inhibition apportera une plus grande liberté personnelle et des opportunités inattendues. En tous les cas, c'est une bonne pleine lune pour lancer de nouveaux projets avec une explosion d'énergie audacieuse. Bien que votre esprit de combat et votre adrénaline finissent par s'estomper, vous pouvez créer de nouveaux projets dans peut-être des pays où cette initiative n'est plus nécessaire. Mercure, associé à Neptune, peut à lui seul apporter confusion, crainte, déception et scandale. Mais le sextile à Vénus, Saturne, apporte sensibilité, romance, sensualité, attraction karmique et imagination créatrice. Vénus, en conjonction avec Saturne, à elle seule peut apporter de la tristesse, de la solitude et un manque d'affection. Mais le sextile à Mercure-Neptune apporte la camaraderie, le véritable amour, le réconfort, la loyauté et l'engagement. Ensemble, l'alignement de ces quatre planètes apporte compassion, guérison, altruisme, clairvoyance et spiritualité. C'est une bonne pleine lune pour rêver, avoir une conscience psychique et apprendre des sujets occultes comme l'astrologie et pourquoi pas le tarot par exemple. Alors, en résumé, Régulus et la conjonction Mars-Uranus ont tous les deux le potentiel d'apporter irritation, rébellion et violence. Mais leur nature vive, énergique et extravertie se complète pour apporter un changement positif, de l'aventure et de l'excitation. De la même manière, les influences négatives de Mercure conjointement Neptune et Vénus conjuguées Saturne sont atténuées par les aspects sextiles
qui les unissent. Cela signifie que l'incroyable quantité d'énergie créée par Régulus, la pleine lune et les trois conjonctions planétaires se combinent de manière complémentaire, de manière plus harmonieuse, sûre et conviviale que chacune d'elles. La pleine lune de ce mardi 19 février 2019 offre des occasions passionnantes de vous sentir plus vivant ou vivante et plus libre. Beaucoup de choses distinctes qui vous ont confus, peut-être effrayés ou bien déprimés, vous donneront l'air de s'unir et de donner un sens à cela. Cela devrait restaurer votre foi en ce que le Créateur ou l'univers a un plan pour vous. Eh bien voilà pour la pleine lune. Mais j'ai fait aussi une autre vidéo avec un événement qui va se produire aussi le jour de cette pleine lune. C'est un événement qui se produira ce 19, hein, ce mardi 19 février 2019. C'est-à-dire que c'est un nouveau cycle qui durera 50 années. Et il sera divisé en trois parties et la première phase durera à peu près 8 ans. Et c'est l'entrée de Chiron ou de Chiron dans le signe du Bélier, donc le jour de cette pleine lune, ce mardi 19 février 2019. Et il régira jusque 2027. Alors, cet astéroïde Chiron a été découverte en 1977 par Charles Thomas Kowal, un astronome américain. Cela sera la première fois qu'elle sera en début de cycle. Donc, elle y séjournera dans le signe du Bélier de 2019 à 2027. Alors, les personnes ayant Chiron en Bélier supportent mal les ambiances agressives ou violentes. Elles refusent toute forme de compétition ou de lutte. Elles ne savent pas se mettre spontanément en avant. Elles doutent de leur propre droit à l'existence et ne s'accordent pas la légitimité qu'ils méritent. Elles recherchent une preuve de leur propre existence dans le regard des autres et souffrent si elles n'en trouvent pas. Elles expriment alors une agressivité qui justifie le fait que personne ne les voit. Et de ce fait, elles se croient obligées de parler fort et de taper du poing sur la table. Leur chemin est d'apprendre à utiliser la combativité ou l'agressivité lorsque c'est nécessaire. Elles doivent développer une force de caractère qui les amène à se surpasser. Elles trouveront la paix en s'accordant du temps pour elles-mêmes, en tenant compte d'elles-mêmes, avant de solliciter l'approbation de l'entourage. Elles doivent assumer qui elles sont et l'incarner sans crainte d'être jugées. Elles pourront alors prendre des décisions et des initiatives, faire preuve de courage et de volonté et guider les autres dans ce cheminement de reconnaissance du droit à l'existence. Alors, la signification de la pleine lune. Alors, une pleine lune se produit lorsque le soleil est en face de la lune. Cela met en évidence des forces ou des polarités opposées dans votre vie, telles que votre travail par rapport, par exemple, à votre domicile, ou ce dont vous avez besoin par rapport à ce que vous voulez. Les tensions internes
et les pressions externes peuvent entraîner des conflits personnels et des crises qui drainent votre énergie. Votre foyer, votre famille et vos relations intimes deviennent plus nettes après la pleine lune. Les qualités lunaires des émotions et des instincts atteignent leur apogée à la pleine lune. Utilisez votre force émotionnelle et votre intuition pour surmonter tous les problèmes relationnels. La conscience subconsciente permet un regard impartial et équilibré sur vos relations personnelles. Vous verrez clairement toute dynamique de relation ou sentiment négatif provoquant une discorde. Une pleine lune a une relation avec la nouvelle lune précédente. Vos objectifs de la nouvelle lune du 4 février 2019 peuvent maintenant être ajustés ou complétés, et c'est le moment de la récolte. Ce que vous avez semé dans cette nouvelle lune, eh bien, c'est le moment de le récolter. Vous pouvez faire des ajustements émotionnels en réponse à ces nouveaux objectifs. La pleine lune de ce mardi 19 février 2019 durera 2 semaines jusqu'à la nouvelle lune qui aura lieu le 6 mars 2019. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de votre écoute. Merci à vous de votre fidélité. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Cliquez sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi vos commentaires. En tous les cas, je vous souhaite une excellente pleine lune à toutes et tous. Merci, Madame la Lune, avec toute ma gratitude. On se retrouve pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ce que vous aimez. À tout bientôt.